درس الفرنسية المستوى الثالث. الكتاب Mes apprentissages en français. Troisième année. نأخذ الكتاب صفحة 114. Prenez le livret, la page 114. Le titre, l'unwan, le tailleur de mon frère. Regarde ici, il y a une image, Sora. Observe l'image. Que vois-tu sur cette image? انظر إلى الصورة أو لاحظ الصورة. ماذا ترى في الصورة؟ La réponse, le jawab. Je vois un tailleur. Je vois un tailleur. إذن كما رأينا من قبل, le tailleur, ها هو. الخياط, الخياط. سؤال ثاني. Où se trouve ce personnage? في الصورة عندنا أشخاص أو شخص. Où se trouve ce personnage? أين يوجد هذه الأشخاص أو هذا الشخص le tailleur. Il est dans sa boutique. Il est dans sa boutique. سؤال ثالث. Troisième question. Que fait-il? Que fait-il? ماذا يفعل أو ماذا يعمل؟ Il travaille. Il travaille. يعمل. Il crée des vêtements. Il crée des vêtements. يعني ينتج أو يصمم الملابس. الآن سوف نمر إلى قراءة النص. On va lire le texte. Le titre. Le tailleur de mon frère. Le tailleur. Le tailleur de mon frère. Le tailleur de mon frère. Yani khayyato akhi. En attendant notre tour, j'ai commencé à observer comment ce tailleur crée des vêtements prêts à porter. Avec un mètre rebond suspendu à son cou, ce tailleur prend les mesures du client. Son Cette étape, il ne pourra pas coudre les habits. Après cela, il dessine le patron et étudie le modèle avec soin. Ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu et passe à la couture. Ce tailleur choisit son matériel, les fils en couleur, les aiguilles nécessaires, les épingles et les ciseaux. إذن قرأت النص. J'ai lu le texte. Je répète. سأعيد قراءة النص وأشرحه. Le tailleur de mon frère. خياطو أخي. En attendant notre tour. يعني ونحن ننتظر دورنا. J'ai commencé à observer comment ce tailleur. يعني بدأت أنظر. كيف ce tailleur crée des vêtements. كيف ينتج الخياط الملابس. Prêt à porter. يعني قابلة للبس. Avec un mètre rebond. يعني باستعمال mètre rebond. يعني المترو. شريط ديال المترو هو بالأصفر. Suspendu
معلق à son cou. معلق على عنقه. Sous-tailleur prend les mesures. هذا الخياط يأخذ القياسات. Mesures, القياسات. Du client. قياسات الزبون. Son site étape. يعني بدون هذه المرحلة. Son site étape. Il ne pourra pas coudre. لا يمكنه أن يخيط. Coudre les habits. أن يخيط الملابس. Après cela, بعد ذلك, il dessine le patron. يعني يرسم المنشور. يعني شكل الملابس. على التوب. Et étudie le modèle. ويدرس النموذج. Avec soin. Avec soin بعناية. Ensuite, بعد ذلك, ensuite, il réalise avec agilité la coupe du tissu. Yunjiz, birachaka, avec agilité, birachaka, la coupe du tissu. يعني يقطع التوب, tissu. Et passe à la couture. ثم يمر إلى الخياطة. Couture. Ce tailleur choisit son matériel. هذا الخياط يختار أدواته اللي هي les fils en couleur يعني الخيط الخيوط بالألوان les aiguilles الإبر les aiguilles nécessaires يعني الإبر الضرورية les épingles دبابيس et les ciseaux et les ciseaux يعني المقص. إذا الآن قرأنا النص سوف نمر إلى إنجاز التمارين. On va passer à faire les exercices. Donc le premier exercice, je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Exercice 1. Entoure le mot qui correspond au dessin. Entoure le mot qui correspond au dessin. Entoure, yani, ndiru da'ira. Regardez le dessin. Observez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit sur le dessin? Une aiguille, yani l'ibra, du tissu, un vêtement. Donc, le jawab, la réponse, du tissu. On va entourer du tissu. On va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, les phrases écrites vrai ou faux. Sahih ou khata. A. Le tailleur coiffe les cheveux. Le tailleur coiffe les cheveux. يعني يحلق le tailleur ou le khayyat coiffe les cheveux. يحلق الشعر. B. Le tailleur crée des vêtements. Le tailleur C. Le tailleur coupe le tissu. يقطع التوب. D. Le tailleur rabote le bois. يعني ينشر الخشب. Donc, A, vrai ou faux. Le tailleur coiffe les cheveux. Faux. B. Le tailleur crée des vêtements. يعني الخياط ينتج الملابس. Vrai. La question C. سؤال C. Le tailleur coupe le tissu. الخياط يقطع التوب. Vrai. La question D. Le tailleur rabote le bois. Tailleur. يعني الخياط ينشر
الخشب. شفنا غابوت لو بوا شكون؟ لو مينويزي يعني النجار ماشي الخياط. اذا فو. اذا سؤال دي لو تايور غابوت لو بوا فو. Maintenant, on va passer à réviser les sons. Je révise 10 sons. يعني نرجعوا الأصوات اللي شفنا من قبل. A. Cr. Il existe donc créer, يعني créer. Cl. Client. Par. Produit. Produire. Cré, يعني tabacher. Client, zabon. Produit, mentou, mentouj, ou yuntij. Produire, le fiel. Produire, c'est un verbe, yuntij. Dr, coudre, coudre, yukhayet. Dr, prendre, prendre, yakhoud. B, عندنا لو سون او هذا ملي كيكون بين معقوفتين كنسميوه لو سون الصوت او يون كوب كودغ يخيط سي عندنا لو سون اي اي لو تايور لو تايور D, un allocent S. Il dessine. Il dessine. Yarson. Un tissu. Atou. Il passe. Yamor ou yamarrer. Il passe. Maintenant, on va réaliser les exercices de la rubrique Je lis et j'écris. Je lis. اقرا اي جيكري واكتب ليكزيرسيس 3 اكري لو ماتيريال دو تايور سيتي دون لو تيكست اكري لو ماتيريال يعني اكتب الادوات ادوات الخياط سيتي المذكوره دون لو تيكست المذكوره في النص دونك لو ماتيريال ليا لي فيل اون كولور Les aiguilles nécessaires, ou bien les aiguilles seulement, nécessaires yani d'aruria, les épingles de babies et les ciseaux. On va écrire le matériel ici. Donc je répète, écrire le matériel de tailleur, c'était dans le texte. Les fils en couleur, les aiguilles, les épingles, les ciseaux. On va passer à l'exercice 4. Complète les phrases. Complète les phrases. Atmim al-jumal. A. Le tailleur dessine. Quoi? B. Le tailleur réalise. C. Le tailleur étudie. Donc, les réponses dans le texte. Là, je vois finance. Le tailleur dessine. Le patron. Donc, le patron. Le tailleur réalise la coupe. La coupe du tissu. C'est le tailleur étudié, Yadros. Le modèle. Étudie le modèle avec soin. Et d'un rank de boule, أتود الأول البطاولة واحدة. Donc, vous voyez l'exercice 4. Je répète, Aïd complète les phrases. A. Le tailleur dessine le patron. Le tailleur B. B. Le tailleur réalise la coupe. C. Le tailleur étudie le modèle.